nous. Ça va? Ouais. Merci pour le poste. Ah, c'est à votre père qu'il faut dire merci. Ça va. Mais non, c'est important. Ça fait 15 ans que t'as pas vu le médecin du travail? Ça sert à quoi? Mais c'est pas possible, ça. Si l'usine pollue, je pensais pas qu'on a le droit de savoir. Et vous êtes journaliste pour qui? Je suis indépendante. Répondez simplement, elle pollue ou pas, l'usine? Non, écoutez! Ça fait 29 ans que je bosse chez Arcalu. Ma fille ici présente vient d'y être embauchée. Vous pensez vraiment que si j'avais le moindre doute d'un danger venant de chez nous, j'aurais laissé faire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est brûlé, ça va soulager la douleur. On va pas déclarer l'accident. Tu l'oublies, il a jamais eu lieu. Si tu vois Slimane, tu lui diras vraiment merci de notre part pour la petite enveloppe et tout le reste. Mais alors c'est comme ça que ça se passe à l'usine? J'essaie juste de comprendre. Tu veux comprendre quoi, chérie? Tu veux comprendre quoi? Il y a quoi là qui sort des tuyaux là de l'usine? À la réunion l'autre jour, vous avez dit qu'il y avait un problème avec les rejets. J'ai du mal à avoir des infos précises, mais si c'est aussi verrouillé, c'est qu'il y a quelque chose de pas clair. Le groupe qui tient Arcalu a des dizaines d'autres usines dans la région, des appuis politiques, tous les niveaux. Des bronchites chroniques, des maladies respiratoires, 12 cas d'infection pulmonaire et même 2 cancers. Mais pas pneumologue, vous êtes infirmière. Je sais parce que si on fait rien, nous, personne ne fera rien. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils rejettent dans des carrières abandonnées si c'était clean? Tu t'occupes toujours de ce qui te regarde pas. Mais ouais, je reste là, je croise les bras. J'attends que vous soyez tous morts. Aujourd'hui, les rejets sont traités différemment. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucun problème. Il ment, papa. Colle tes petites affiches. Mais viens pas saboter mon travail. Un cancer aussi rapide à 29 ans, c'est pas normal. Vous avez pas eu de suivi médical? Tu parles. Tu savais pour tes collègues. Depuis des années, tu nous mens. Ton usine, là, elle est dégueulasse. On en reparlera à l'enterrement de Polo, papa. Comment tu peux sortir des saloperies pareilles? C'est possible, tu crois, de sortir des échantillons des rejets? Pour savoir ce qu'il y a dans les tuyaux. Mais qu'est-ce qu'on a à faire, toi? Ça m'empêche de dormir. Vous avez ce que vous voulez? Vous êtes contente? Fais-le, lâche-le! À cause de ta grande gueule, on aura tout perdu! Arrête!